Allez, salut tout le monde, c'est LightPixel et aujourd'hui on se retrouve pour un cinquième épisode de Tomb Raider assez fake puisque là je parle pas dans le jeu mais je parle sans la manette et tout, donc j'ai fait un fail, c'est-à-dire que j'ai pas mis le micro quand je faisais le jeu, donc là je dis salut tout le monde etc etc et voilà on passe devant et tout, il y a un corbeau, il fait coucou, je regarde un peu. Ça va être un épisode assez spécial puisque ça va être du commentary sur un épisode que j'ai fait sans micro, donc c'était assez con. Donc là, on passe par un endroit très spécial parce que on a failli tomber. Oh putain, ah oui, il y avait quelqu'un qui est arrivé comme ça et du coup, j'ai pas pu y arriver là. Il nous a balancé. On a recommencé. Et du coup, ouais, de la neige. Hop, c'est par là. Et là, normalement, on va réussir à le targer. Et bim, voilà. Il est tombé. Voilà, j'espère que c'est bien fait mal avec le rocher. Oh là là. On est fou, hein. On est fou. Ils sont beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Là, c'était assez chaud. J'ai dû les tuer. Vraiment chaudement. Bim, bim, bim. Là, j'avance pas beaucoup, mais ça va, ça. Je vais faire une vidéo comme ça. C'est sans commentary, ça serait un peu con. Je me cache. Et on va le niquer normalement l'autre. Si je ne m'abuse. Aïe. Bim, voilà, dans la tête. Et logiquement, on devrait avancer. Donc bien sûr, je prends des les matériaux. C'est toujours sympa. Ah, vous en faites pas. Le prochain épisode sera beaucoup mieux. Parce que là, je le fais en commentary. Mais... voilà quoi. C'est pas cool, cool, cool. Ouais, tu vas nous tuer. D'ailleurs, je sais pas s'il va nous tuer, lui. Je pense qu'il va peut-être pas nous tuer. Non, c'est bon. On l'a tué. Ouais, là, cet endroit, c'était vraiment chaud. J'ai galéré comme un porc à cet endroit. C'est un truc de fou. Hop. Ça me fait bizarre de commenter comme ça, c'est pas dans mon habitude. J'avais pas envie de vous laisser cet épisode en hors ligne parce que je m'ai même pas retourné au dernier point de sauvegarde de cet épisode, donc c'est assez chaud. Donc là je me cache, j'arrive pas bien à tirer, je me suis pas fait tuer ici, mais c'est assez chaud, hein. Franchement. Voilà. Ah ouais. C'est toi qui vas mourir. Enfin, vous allez tous mourir de toute façon. Pas longtemps. Parce que là, je galère. Oh, il crame. Ça, j'avais pas remarqué au début. Le pauvre. Ah. J'ai quelques problèmes techniques aussi parfois quand je tirais. Et je disais, oh, faut se cacher et tout, easy money. Bim. Aïe. Je reprends quelques munitions. Voilà. Retire. C'était limite à cet endroit. Hein. J'ai failli mourir de peu, franchement. C'était assez chaud. Là je faisais le fourbe, je tirais comme ça. Lui va crever. Nickel. Lui aussi il va mourir. Bim, bim. Alors lui c'était chaud, j'arrive pas vraiment à le tuer. Enfin je l'avais pas tué normalement. J'espère que cet épisode franchement vous décevra pas parce que même si je parle comme ça vous pourrez quand même l'apprécier.
Et c'est quand même assez sympa, franchement. Putain, j'ai pas brûlé, heureusement. Non plus, je vais pas arriver à le tuer. Ça va être assez short. Allez, viens. Hop. Ah, c'est bon, je l'ai tué, oui. Ça, je l'ai tué, lui. Peut-être pas lui. On verra bien. Bah, a priori, l'autre, j'ai pas tué. Non, c'est juste un autre garde. Balance machine. Je dépoule les autres. Voilà, tire dans la tête. Bon, là, j'avance parce que sinon, il va y rester les plombs. Je regarde un peu. Torche. Je bloque un peu. Passe par là. Hop là. Il y a encore des méchants, c'est assez chiant. Il y a toujours des méchants. Partout. D'ailleurs, lui. Voilà. Le coup, le fameux coup. Bim. Encore, il y a le même clone. Ah non, c'est pas le même. C'est un bloc. Dégage. Lui, il va pas vraiment dégager. Ah, c'est comme ça. Ah non, c'est un amoureux. Il a moulu. Alors, voilà. On a aussi d'autres armes. Je les améliorerai dans pas longtemps. Vous allez voir ça. Là. Bim. J'espère que ce sera pas trop en décalé. Parce que j'ai jamais fait ça. Enfin, on verra bien. Oui, je me répète dans cet épisode. Voilà, ça c'est fail. Lui, il crève. Je l'attends. Et bim. Non, je l'ai pas tué. Aïe. Ils sont chiants avec leur truc là, ça m'énerve. Là, il meurt. Là, j'avais bien visé. C'était cool. Il y a encore d'autres méchants qui arrivent, ils ouvrent la porte, comme ça, ils disent allez, en plus ils vont sortir un gros monstre, mec, là je galérais un peu, ouais on va crever, c'est fou. Ouais. Donc là j'arrivais pas trop à les esquiver, mais vous allez voir que dans pas longtemps je vais les esquiver. Ouais, je préviens, j'avance d'avance, ça veut rien dire. Non, c'est pour voilà, pour vous dire que voilà, tout se passait bien. Bon, vous allez le voir quand même. Mais si, j'avais pas compris, j'ai touché pas sur la gâchette là du coup, donc ça marchait pas. Hop. Ah, j'ai trouvé la technique tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ouais, c'est... Même j'ai enregistré avant, donc je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré, donc je l'ai refait. Je sais pas pourquoi j'utilise le truc. J'ai essayé si ça marchait. Donc du coup, ça marchait pas. Je faisais comme avec l'arc, ça marchait pas non plus. Oui, tu vas nous tuer. Ça, on le sait que tu vas nous tuer, hein. Ils aiment bien dire ça, les ennemis. Ah, donc là, je prends l'arc. J'ai trouvé la technique, normalement. Non, je prends pas l'arc, en fait. Ah non, si, je prends l'arc. Je sais pas. Je fais n'importe quoi. Et là normalement je vais l'éliminer. Ce ouf avec son casque. Oula. J'ai quelques lags sur mon ordi. Là c'est bon, j'ai trouvé la technique. Là il va recommencer. Et j'ai raté.
Recommence s'il te plaît. Bim. Et là le prochain coup normalement ça devrait être la bonne. Ouais en fait non. Là normalement. Bim. Voilà. Une pièce sur deux dark. Alors lui il m'a saoulé. Oui, tu es en vie. Aïe. Les chiens s'excitent dehors. Je sais pas pourquoi. Enfin, pas dehors dans le jeu, hein. Dehors IRL. On prend la pièce d'arme. Ah non, on a une pièce d'arme. C'est sympa, ça. Hop. Donc là, je regarde un peu partout s'il y a des trucs à prendre. Donc là, il y a tous les trucs, ça sert à rien. Ah, j'ai ouvert ça pour me donner plus de matériaux. Bim. Du coup, je regarde un peu partout. Et normalement, on remonte. Hop. On remonte. Je prends encore des matériaux parce que les matériaux ça sert beaucoup. Là j'ai regardé mais en fait je vais pas y aller vraiment. Je pensais qu'il y avait y aurait un truc mais en fait j'y suis même pas allé. Donc je suis allé autre part. Ah oui je voulais brûler ce que vous voyez devant. Le truc, le panier qui est suspendu. Moi j'appelle ça un panier mais c'est un truc qui est pendu avec de la ficelle. Hop là. Et là je reprends le matériau. Sauf que j'arrive pas, je galère. Un peu, légèrement. Beaucoup. Un peu légèrement, beaucoup. Hop. Nickel, donc je passe par là. Je peux aller voir sur le truc. Hop. Et on a trouvé la tour radio. Donc là, ça va être de l'escalade. On va monter, je vais aller au feu de camp. Hop. Feu de camp. Je vais améliorer, je pense. Bah alors qu'on a tout normalement. Oh, on a tout, c'est pour ça que je disais qu'on avait tout. Le fusil, ouais, je crois que je vais l'améliorer là. Ah non, c'est le pistolet, ouais, que j'ai amélioré. Voilà. Et donc du coup après là on se barre. Ah j'ai remarqué que j'avais oublié de prendre le livre là. Pour regarder. Normalement elle saute. Hop et là normalement on va atteindre la tour radio. Avec ce beau paysage. On va monter, ok. Alors c'est assez rouillé. Vous allez voir que ça va se détruire dans pas longtemps. Je laisse un peu admirer le décor. Aïe. C'est un truc qui est tombé là, c'est un truc qui fout la flippette. C'est franchement pas très agréable de parler comme ça. Mais enfin bon, c'est un nouveau style. J'apprécie un peu. Putain, le décor du soleil est vraiment classe. Le halo et tout, c'est vraiment très beau. Les oiseaux de merde qui me fait chier là. Saute dessus, hein, bim. Petite musique en arrière-fond qui est assez sympa. Putain, regardez-moi, si vous avez pas le vertige après ça, eh bien bravo. Moi j'ai pas le vertige parce que le vertige le contrôle dans les jeux. Mais en dehors des jeux, je le contrôle pas du tout. J'ai franchement trop peur. Donc on va atteindre la tour radio. Le truc qui est clair rouge. On passe dans l'autre jambe. Yep. Là, j'ai eu un petit bug, tu vois. C'est Space.
Hop, elle monte. Et normalement, on atteint la tour radio. Voilà. Nickel. C'est franchement beau avec cette lumière et tout. La montagne. Excellent. Voilà, donc on va régler la fréquence. Je tourne. Je pense que c'est au milieu que ça va marcher. Non, non, c'est pas au milieu. C'est là où j'appuie sur X, hop. Nickel, et là je règle le signal. Nickel, voilà. Ah, c'est vers là. Ah, c'est maintenir, ouais. Vous êtes en liaison avec le système de réponse d'urgence interne. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence. Répondez. Répondez. Allez. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ah, Lara Croft, t'es incroyable. Et voilà. Hey, normalement, Reyes a même esquissé un sourire. Un avion va bientôt arriver, je pense, puisqu'on a trouvé un signal. Il faut un signal. Enfin. Yep, yeah, enfin. Les flammes. Je peux y arriver. L'essence des flammes. Quelque chose me dit que c'est pas anodin qui a dit ça. On descend. Et donc, du coup, là, on va descendre. Et. On va chercher le point. Hop. On descend par là, on est des fous. Et on va faire un feu de détresse. Tac. Après, je me dis à quoi ça sert. Je crois d'où il faut aller. Donc on descend. Il y a des bidons, je me demandais ce que c'était les bidons là. Non, que ça sert. Je vais aller dans le hangar là-bas. Parce que je me demandais ce que c'était, on va y aller. Des cuves d'essence. Ah, il y avait un cadavre, ça c'était dégueulasse. Il y avait Oh, regardez-moi ce visage. Horrifique, mon gars. Oh, il lève la bouche et tout. Donc là, on a trouvé un nouveau matériau. Et c'est. Si je me trompe pas, l'allume-feu. C'est comme un briquet, sauf que c'est à la manière nature. Naturelle, pardon. Un peu tout, bon j'avais tout plein donc j'avais pas besoin de tout ramasser. Donc, je regarde le truc sur mon ordi, on est à 18 minutes donc on est bientôt à la moitié. Et là je remonte parce que j'ai essayé de. Il fallait faire rouler le bidon, je pensais qu'il fallait faire ça, mais en fait, en fin de compte, je me suis rendu compte que en fait, non, ça ne servirait à rien. Donc là j'ai trouvé ça, on va tourner la valve. Mais là pour l'instant je sais pas ce que je fais. Et encore un cadavre, bah dégueulasse. Donc on tourne la valve. Bim. Donc ça fait tomber de l'huile. Et l'huile on va la faire brûler. Je sais pas où trop il faut aller. Je voulais sortir comme ça direct mais en fait non ça va pas marcher. Donc j'ai vu de l'huile par terre. Voilà hop. Vous voyez de l'huile et on va la faire brûler. Voilà. Normalement ça va faire des explosions. Voilà. Et on gagne 400 d'XP. Voilà.
Voilà l'avion qui arrive. Mais bien sûr, il se fait mitrailler. Et brûler. Et donc elle se casse. Parce que l'avion va bientôt arriver sur nous. Si elle le sent bien, donc elle se casse vraiment. Et donc là, c'est parti pour une phase de saut très chaude. Phase de descente directe. On esquive, on esquive. Avec le truc là. C'était franchement hardcore ici là. Promis, dans le prochain épisode, je vais pas me failer sur le micro parce que sinon c'est pas marrant. Aïe. Tous ces pics là. Ah, elle doit avoir trop mal. C'est un truc de fou. Donc là, hop, on remonte. Donc là, on saute. Voilà. Et là, c'est parti pour la phase de saut. Gagner 500 d'XP. Non, normalement, on a passé le passage des combats. Hein. Donc, il va plus trop y avoir de combats, mis à part 2-3 personnes. Enfin bon. Et donc là, le personnage que vous voyez est. Eh bien, c'est Reyes. Qu'il faudra retrouver, donc on va sauter sur le trapèze. Hop, et c'était lui qui était dans l'avion, donc on va le retrouver. Et ça sera là où on va se terminer de l'épisode. Je dis un peu de la merde, mais enfin bon, c'est là où on va s'arrêter pour l'épisode. Je l'ai redit pour mieux le faire. Là, je vais sauter partout, tout qui se pète. Tellement que c'est vieux. Hop. Plein de maisons suspendues. C'est quand même la foire. C'est très japonais, hein, je trouve. Très 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 japonais. Ah, et là, il y a un mec, il veut le tuer, mais il n'y arrive pas. Je vais passer sans faire exprès, mais on va pas le passer. Je sais que je voulais le tuer. Mais on est là. T'inquiète. Donc là, c'est comme avec l'autre ennemi. On va le tuer. Hop. Donc là, je réessaie. Mais non. Voilà, et là, je le nique facilement. Je reprends quelques trucs, je regarde un peu partout. On a encore débloqué une nouvelle arme pour le camp. Et grâce à mon dieu allume-feu, je peux brûler ça. Et on va prendre encore d'autres matériaux. Voilà. Donc du coup, là, on saute, normal. Et on voit un feu de camp, donc on va y aller. Et je pense qu'on va améliorer des choses. Enfin, je vais regarder dans le truc. Et ouais, non, on peut pas... Ah si, on avait une compétence, donc on va améliorer je sais plus quoi. Le recyclage, à mon avis. Voilà. Oh là, ça... Bon, j'ai pris ça au hasard parce que voilà, il n'y avait pas d'autre. Je savais pas quoi choisir. Donc je regarde un peu. Là je vais améliorer le pistolet, canon aérien. Encore. Et on va se barrer. Je dis que là on a 4 sur 10 de journal Lara. Donc c'est quand même pas mal. Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. On arrive, t'inquiète pas. Retrouver Roth, voilà, c'est bien Roth. Donc, on va... Ah, ça, excusez-moi, je vous montre un peu le paysage. C'est un peu mieux. Et là, je me suis trompé, il y a encore des mecs.
Donc là, je les attaque avec le pistolet. Bim, bim. J'ai eu un peu de mal au début. Ne vous inquiétez pas, ça va vite se faire mieux. Donc là, je tire sur la poulie, hop. On se fait attaquer par des putains de mitrailleuses, mon gars. Et on a trouvé de la corde. Et on va faire une flèche grappin. Ça, c'est sympa. Et là, je sais pas où il fallait tirer, donc je tire le truc. Et là, eux, ils tombent. Voilà. Ouais, donc du coup, là, je vais tuer les deux mitrailleuses. Ah, saloperie. Lui, je vais essayer de le tuer. Il va mourir normalement. Lui, il va mourir. Bim. Voilà, tire dans la tête. L'autre, je le tuerai un peu plus tard. On prend du matériau. Et lui, il va mourir. Si je dis pas de bêtises. Bim. Voilà. Donc là, je cherche un moyen. Je prends le matériau qui est là-bas. Ça sert toujours. Ça peut servir toujours. Toujours servir, pardon. Je me mélange un peu dans mes mots. Il doit y avoir un moyen de monter. Donc là, je savais pas vraiment comment il fallait monter. Donc, je voulais passer par là-bas, mais j'ai vu qu'on pouvait pas. Donc, je cherche un peu. Je pensais qu'on pouvait pas sauter dans l'eau, mais en fin de compte, si. Je crois que ça nous a emporté, mais en fait, non. Donc là, je vais sauter dans l'eau comme un con. Et je veux remonter la truc là-haut, mais je ne pouvais pas. Donc là, on va le dépouiller. Hop. Flèche grappin. Et là, normalement, on va l'utiliser sur ce truc où qui brille. Et normalement, ça devrait être bon. Je vais faire bien attention au temps parce que je sais pas trop comment ça va terminer cet épisode. Donc là, je cherche un peu les trucs qu'il faut, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'arc. Voilà. Et là, j'ai trouvé. J'appuie dessus. Bim. Je tire le gros truc et on va sauter dessus. Voilà. Donc là, je regarde si c'est pas un truc qui peut nous servir, ça. En fin de compte, non, ça ne sert pas du tout. Je cherche un peu s'il y a le truc. Non, il n'y a rien. Donc j'avance. Et là, bon. Là, ce sera juste la phase de saut, il faudra sauter. Ouais. Ça me semble un peu. J'ai vu un truc qui brillait. Mince. Donc là, on va l'accrocher avec le grappin. Le truc là-bas. Hop. On va le tirer. Ah non, on va grimper. On va grimper dessus. Donc le truc que vous voyez là-bas, j'ai pas été, mais en fin de compte, je pouvais y aller. Juste à mettre le grimpin là-haut, mais je l'ai pas fait. Donc ça c'est pas très grave, hein, j'ai envie de vous dire. On va aller à la cabane. J'essaie de monter là-haut, mais comme un con, je ne savais pas, donc. Voilà, super. Là, on a le stock qui est plein. Je vais revenir où j'étais pour, parce que je veux remonter et ça marche toujours pas. Ça marche pas, pourquoi je le fais? Ça ne marche pas. Et je persiste. Hein. Ça marche toujours pas. Bon, on se dit après on va avancer. Hein. Parce que quand même. Enfin, bah, je réessaye ici pour monter, mais ça marche toujours pas. Et on va avancer. Donc là, on va la tirer. Hop. Et on tire. Là.
village montagne. Yop. Et voilà, on a trouvé Roth. C'est sympa. Tout se passait très bien et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, hey, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Ok, donc c'est là où on va s'arrêter. Donc elle veut sauver le gars qui est tombé et on va aller le sauver plus tard. Donc on va s'arrêter là, comme je le dis dans la vidéo. Donc je vais sur le feu de camp, je regarde un peu dans les matériaux. Donc on peut pas vraiment, j'ai tout l'arc. Je peux pas, j'ai plus beaucoup de matériaux donc on peut pas améliorer. Je fais bien attention au temps parce que sinon je vais arrêter un peu tôt. Donc normalement, je vais quitter là, hop. Voilà, là je vous dis un peu tout ce qu'on a fait dans l'épisode, ou qu'on avait fait, qu'il y a eu un avion qui s'est échoué. Alors fais-le vite. Je suis désolé, Ross. Donc on lui a parlé, je vais lui reparler pour le truc. Donc dans les derniers épisodes, dans cet épisode, on a fait pas mal de choses. Il y avait un avion qui s'est écrasé, on a tué quelques gens, etc, etc. Enfin, vous l'avez vu. Donc dans le prochain épisode, on va aller voir le mec qui est tombé. Et voilà. Donc je vais vous dire à très bientôt. C'était LightPixel pour ce 5e épisode de Tomb Raider. En espérant que ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, un petit pouce bleu pardon, et un like. Enfin c'est la même chose. Et à vous abonner. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. C'était LightPixel pour ce 5e épisode. Et je vous donne rendez-vous pour le 6e. Allez, à très bientôt. C'était LightPixel. Bye bye.